Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue à la Playroom pour ce nouvel épisode de Dragon Ball Xenoverse 2 sur PC, je le rappelle à chaque fois maintenant. Nous avons fait toutes les quêtes secondaires que nous pouvions avoir dans le coin, entre guillemets, en tout cas en quête bleue. Maintenant je pense qu'on va continuer un petit peu l'aventure principale, si je puis dire, l'histoire de ce jeu. Qui, somme toute, au niveau des quêtes secondaires en tout cas, ressemble énormément à celui du 1, ce qui est pour moi un point faible, vu qu'on n'a pas l'impression qu'il y a eu une amélioration réelle de fait. Mais bon, on verra si oui ou non ça se confirme. Pour l'instant, ça reste quand même un très bon jeu. Hein. Comment je peux faire? J'ai plus comment faire la voix. Ah oui! Peu importe les corrections effectuées, l'histoire continue d'être modifiée! Tu n'aurais pas vu Trunk? Trunk! Je n'arrive pas à le trouver! J'arrive pas à le faire. Je fais plus la voix d'une chèvre! Oh! Je préfère chercher Trunk. Après tout. Vu qu'il se fait déjà fait avoir par Ginyu, personnellement. Je préfère m'assurer que tout va bien. What? Oh, c'est stylé! Je coupe ma caméra. Serait-ce là qu'il va perdre son bras? Oh non, il a encore son bras. Ah non, c'est là qu'il est mort. Mais normalement, il devrait déjà l'avoir perdu alors son bras. La gueule qui tire! Oh là là! Oh la gueule qui tire, le monsieur! Et pourquoi la voix était pas aussi forte que celle-là tout à l'heure? D'accord. Ah, mais merde, ah, ouais, il met 3 secondes de pause quoi. D'accord. D'accord. C'est pas à toi de l'approuver ou pas. Hein. C'est plus à la Kaioshin du temps. Très bizarre. Ah, on modifie ton histoire. C'est bête, hein. Qu'est-ce qui va se passer encore? Tu peux pas y aller. Voilà. Tu peux pas y aller. C'est son histoire. Il ne peut pas y retourner. Ok, bon, on va bien voir, on va rigoler. On va rendre Trunks encore plus minable qu'il n'était en fait, ce serait cool. Ce serait vraiment cool, parce que bon... Enfin, je sais pas, un Super Saiyan qui se fait avoir par Ginyu, quoi. Ce qui est cool, c'est qu'il ressemble pas du tout au Gohan normal. What? Bonjour. Sans Gohan, il y a du futur, d'accord. Bat tous les ennemis. Alors comment, eux, ils peuvent avoir le pouvoir du fruit, sachant que... Putain, il est rapide, Gohan, dis donc. Comment eux ils peuvent avoir le pouvoir du fruit sachant que c'est des robots, ils peuvent pas manger? C'est con! Hop! La chop qui passe. Ah
Boum. Retourne par terre, ça vaut mieux. Aïe. Bon bah écoute, si tu t'en occupes comme ça, moi... Hop. Big Bang Kamehame. Merde. Ah, j'arrive pas à le tenir. Faut que je m'entraîne à le tenir. Raté. Hop, non, ton coup chargé, tu te le gardes. Merci. Raté, quel dommage. Oh, joli. Moi aussi, je peux le faire. Ah, non, j'ai raté. Ah, mais il me saoule. Ah. Boum. Et retourne par terre. Oh, joli. Boum. C'est fini. Dis-moi comment t'as fait pour manger le fruit. Allez, explique, raconte. Quoi? Towa? Qu'est-ce que tu fais là? Non, c'est Mira. Putain, je sais jamais. Mira. Ah, techniquement, oui, techniquement, c'est un cyborg, je crois. Ou en tout cas, une espèce d'entité bizarre. Je m'en rappelle plus par rapport au 1. Bah, c'est con de te défendre là-dessus, sachant que... Ah. Hop, désolé, la chope est passe. Ah. Faut que j'arrive à faire les... Faut vraiment que j'en regarde quelques-uns. Oh, t'es sérieux? C'est joli ça, dis donc. Hop, c'est vraiment débile d'avoir enlevé ta parade à ce moment-là, toi. Ah. Ah bah. Ça, c'était une attaque de Gohan, de Trunks, normalement. Mais qu'est-ce qu'il fout là? Il est pas censé être là. Même s'il y a Mira, t'es pas censé être dans ton propre univers. Mais t'as plus d'intérêt pour moi, du coup. Ah, j'avais raison. Ouais, eh ben putain, pour un mec qui prône être le meilleur, le machin, le bidule truc, je trouve que t'en fais de la merde, hein, quand même, tout au long de l'aventure. Hein. Enfin, je sais pas, le mec c'est censé être maître à tous et... à tous les patrouilleurs, hein, je parle, hein, bien sûr, hein, pas à tous les guerriers. Ah, ça y est, t'as de l'intérêt pour moi. Mais il fait bourde sur bourde, honnêtement, je trouve ça débile. Hop, voilà. Non, franchement, là, sur le coup, je trouve ça débile. C'est vraiment une... Alors, moi, j'adore le personnage de Trunks, mais alors, je trouve qu'il fait vraiment que de la merde, là, pour le coup. Hein. Oh, la gueule. Mais il doit crever, abruti. Ferme-la. Non. Alors c'est moi qui vais t'arrêter si tu veux. Allez! Allez! Pas son pote, moi je le connais pas ce mec, hein. C'est un déchet. Hein.
Oh, c'est horrible quand même. Parce que ce Gohan-là est tellement épique en vrai. Ce Gohan-là est tellement épique, c'est pas Great Saiyaman. C'est un mec qui a suivi les traces de Goku, c'est un vrai. C'est un vrai mec. C'est pas une tafiole. Oh, c'est triste. C'est triste. Oh là là. Ouais, tu parles. Ouais, j'aurais dû l'assommer depuis le début, hein. Ouais, et bah y'aurait une catastrophe. Bah déjà, je pense qu'il devrait être... Dans toute institution, entre guillemets, d'ordre militaire en tout cas, il devrait être suspendu. Moi, je suis pour sa suspension en tout cas. Du repos forcé, oui, voilà. D'accord. Mais c'est déjà ce que je fais depuis que je suis arrivé ici. C'est stupide. C'est stupide. Ok. Bon, fais péter. Nous n'avons pas vraiment le choix, hein. Pars en mission lorsque tu pourras... partir pour la police du temps. Bon, on y va. Très bien, allons la crypte. Très bien, allons la crypte du temps. Faut pas que je parle trop vite, c'est un vieux. Alors... pourquoi j'ai envie de faire une chèvre en même temps? Il faudrait que je récupère sa voix japonaise en fait. Ah bon? Qu'est-ce que j'ai mal fait? C'est une machine! C'est une machine! J'y peux rien, s'il peut être réparé! C'est bien ce que je dis! C'est bien ce que je dis! C'est une putain de machine! Quelqu'un l'a réparé! Voilà! Ça dépend. Vous m'expliquez comment il a bouffé un fruit et après je m'en occupe. Je sais, je suis le meilleur de la bande. Le mec quand il parle à supérieur, il parle comme ça. Il parle avec une voix de jeune adolescent prépubère avec une voix qui part en couille tout le temps. Et quand il arrive devant les mecs... Alors CSS, comment ça va dans ta vie? Tu as été réparé? Petite musique. Ils mangent des fruits. Je comprends toujours pas. En plus, techniquement, ils ont pas de propagation. Quoique, attendez. Non, non, techniquement, ils ont pas de propagation de commande d'énergie. Non, lui, il a pas de propagation d'énergie normalement du tout. Donc, ouais, non, là, il y a un gros problème. Vous enculez la licence! Yo! Ah bah. Boum! Retourne par terre! Oh! J'avais commencé à le frapper! Boom, bitch! Oh mais non, mais trunk! Pourquoi même toi en jeune t'es encore plus... Attends, tu veux dire que... Attends, ça veut dire que Trunks s'est amélioré techniquement? What? Il m'a fait une parade parfaite? Genre sérieusement? Hop! Allez! Big Bang! Kamehameha! Je l'ai loupé! Je visais Trunks. Bon, c'était pas très compliqué. Je l'avoue, je visais Trunks. Trunk. Trunk! Tu visais mon fils Trunk? Trunk? Comment oses-tu?
D'accord. Qu'est-ce que tu vous foutez là? T'es pas censé normalement avoir empêché justement que celle... Hop. Ah, il a plus d'intérêt pour moi. Seriously, là? Mais t'arrêtes! Bon! Un peu d'intérêt pour moi serait vraiment sympathique. C'est même... Mais merde! Oh la vache, il m'a attendu le sac! Ah! Oh non! Hop. Mais merde! Ah mais merde! Hop! Aïe! Penses-tu que l'autre trou du cul il va me filer un coup de main? Bah non! Ce serait un poil trop simple. Je peux me relever, merci. Bon, on va retenter à cette distance, ça devrait peut-être passer. Big Bang, Kamehameha! Personne ne touche. Fif. À se demander quand est-ce que je suis censé l'utiliser cette technique. Boum! Ah! Aïe, ça fait mal. Mais je vais crever. Non. Pas aujourd'hui. Boum, c'est fini. Bon, par contre, j'ai pris énormément de dégâts. Ça, ça pue. J'en doute un petit peu, hein. Bon, bah ça fait 4 points supplémentaires, c'est toujours ça de près, hein. Oh là, il a pris des coups dans le nez, celui-là. C'est pas plus mal, cela dit. J'en ai pris plus que lui. Oh oui, il pisse le sang, en plus. C'est bien. What? Pourquoi t'as chié sur l'histoire? Encore. Heureusement que je sais cacher mon ki, hein. Heureusement. Parce qu'à la base, ils savent tous te repérer avec le ki. Hein. Même Vegeta, il apprend, même s'il avait un scooter avant. Et je parle pas du scooter qui fait bzz, bzz, bzz. Bah oui, c'est mon boulot de revenir. Je sais. Comment t'as pu devenir plus con qu'avant? Ah, mais ça suffira pas, hein. Oh putain. Pff, le mec il se plante, il file son corps à Ginyu, après il vient essayer de modifier le temps. Et après il va faire quoi? Il va assassiner Son Goku? Ouais, tu peux me voyer, tu peux m'appeler maître aussi si tu veux. On va pas être copains, lui et moi. Bon. Un cours spécial de Krillin? Ça m'intéresse? Ça m'intéresse énormément. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Événement d'entraînement. D'accord. Ah! Où est-il? D'accord. Bonjour.
Ah, tu tombes à pic. Je viens de penser à une bonne manière de s'entraîner à Canton City. Tu veux essayer? J'appelle ça la livraison de lait. Ce n'est pas très original, c'est inspiré par l'entraînement que j'avais l'habitude de faire avec Son Goku. Viens me voir si ça t'intéresse. Vous avez senti la différence entre le moment où j'étais intéressé et le moment où je l'étais plus? Krillin, t'entraîneur, en te demandant de livrer du lait à des policiers spécifiques dans Canton City. Plus tu livreras, plus tes récompenses seront grandes. Tu lises RT pour afficher la carte pendant tes livraisons. La liste de livraison sera marquée d'une icône. Appuie sur A quand tu poses le pied pour avancer plus vite. Mais si ton tempo est mauvais, tu finiras par rentrer dans quelque chose ou tomber de haut. Hein? Ouais, vas-y, fais péter. Attention, tu ne dois pas voler pendant cet entraînement. Tu ne dois pas non plus sauter depuis des endroits élevés. Prépare-toi, attention, allez. What the? C'est quoi le bordel avec la touche A? D'accord. Merde, j'ai chié. Bon, j'ai donné la truc. Donc, grosso modo, comme mon pied, il y a un rythme à avoir avec le pied au sol. D'accord. Ce mini-jeu. Hop, merci. Merde, Crody! C'est chiant. C'est vraiment débile. Pouah! Papa, papa, papa. Hop. Mais merde! Pourquoi là ça lâche alors que je me loupe plusieurs fois avant? Mais là celle-là il décide de la lâcher, c'est débile. C'est quoi ce mini-jeu de merde? Un mini-jeu de rythme, j'ai autre chose. Alors, j'arrive pas à savoir le timing sur lequel il faut toucher le... Hop. Hop, voilà. Merci. Oh, c'est... Oh, tu... Non. Non, je reviendrai pas, désolé. Désolé! Je reviendrai peut-être pas. Sauf si c'est véritablement nécessaire. Hop. Hop, on vole. Les missions, c'est toujours les mêmes. Est-ce qu'on va quand même aller voir peut-être un petit peu notre grand maître Vegeta? Peut-être qu'il a quelque chose à nous proposer. Hop, Vegeta, est-ce que t'as quelque chose à nous, non? Pour devenir plus fort, il faut avoir envie de devenir plus fort. Merci pour cette logique. L'orgueil et les fanfaronnades ne t'aideront pas. Si tu gagnes, ça n'a pas d'importance que tu sois ridicule. Tu es là pour t'entraîner, n'est-ce pas? D'accord. Et il a toujours rien à me proposer de plus. Ok, bon. C'est la tristesse. Mais j'étais pas censé recevoir des trucs bizarres de plusieurs endroits. Mais c'est vachement haut en fait. On va quand même aller voir là-bas parce que je vois des freezers. Qu'est-ce qui branle là? D'accord. Bien. Je devrais te mettre encore plus haut pour récupérer tout ça. Hop, on y va.
Doria. Voilà, je suis plus dans le champ de la cam, c'est pas bon. Kinyu, bon. Si tu le dis. Hop. Vous n'êtes pas censé vous faire agresser de temps en temps, vous? Ou un truc dans le genre? Nail. On va aller voir. Ouais, vas-y, fais péter la mission. Protège les boules du dragon. Ouais, je veux bien me battre. Tous les Dragon Ball avant eux, à toi de jouer. Oh, c'est ça la mission. Oh, si j'avais su, j'aurais rien pris. Merde. Défendre un mec partie 1. Oui, je connais le... Hop. 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 Bon, ça c'est fait. Crac. Bouffe le sol. Hop, tu veux perdre? Non. Lever la tête. Trop compliqué. Doria qui est arrivé. Hop. Boum. Dégage. Ok, Dragon Ball. Hop. Alors. Là. Hop. Ok, et là je ne peux pas passer par au-dessus parce que fuck it. C'est vraiment dommage, hein. Il devrait pas y avoir des murs invisibles dans ce genre de jeu. En tout cas, pas sur cette map là, pas en hauteur, en tout cas pas un plafond si bas. Ce qui prouve qu'ils ont beaucoup réutilisé le... Oh bah d'accord, pas bien. Le précédent jeu. Ce qui est assez écœurant. Ah là 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 là. Enfin bon, c'est comme ça. Voilà, j'ai récupéré tes Dragon Ball. Ouais, y a pas de soucis, vas-y, fais comme tu le sens. Un Namek qui va vouloir garder un œil sur moi, non mais la blague. Ah puis c'est vachement haut en plus ici normalement, donc si je saute, ça peut être rigolo. Tiens, y'a de l'eau ici. Ah, je l'aurais jamais deviné. C'est sympa. Dis donc. M'avait caché des choses.
Vous me... Bonjour. Laisse-moi te montrer la puissance de Saiyan d'élite. Esquive-moi ça. Même si tu survis, la Terre est finie. Voyons si ton Kamehameha est capable de rivaliser avec cette attaque. What? La pose du Kamehameha. Oh merde. Ah putain, il est habillé comme Vegeta. Ouh. Ouh. Mhm. Fusion. Pouce levé. Rassembler de l'énergie 2. Merde, j'ai pas la pose du Kamehameha. Ah, c'est le Makiko Zappo, ça. D'accord. Oh, pardon. Alors, du coup... D'accord. Ah, c'est stylé. Eh, j'ai pas la pose. Je suis désolé, mon ami. Je suis... sincèrement désolé. Attendez, à moins que... Non, c'est pas la bonne. Merde, je suis désolé l'ami, je l'ai pas. Je l'ai pas, je l'ai pas. Ah, fais chier. Ah, je suis vexé. Forêt de bambou, il y a peut-être un mec qui va la voir dans le coin, je sais pas. Tiens, toi, Fatal Instinct. Je le dis. If you say so. Bon, y a pas de jolie fille en tout cas dans l'eau, c'est bien dommage aussi ça. Hop! Capsule de puissance. Merde, crédit! Faudra que j'ai Je suis sûr qu'il faudra que j'ai Sangoku, papy. Tortue géniale, pardon, pour. Pour l'avoir. Ah, y a Alain. Alain est avec nous. Bon. Sans Gohan petit, ça m'intéresse pas. Pas du tout. D'ailleurs, on n'a pas du tout trouvé Sangoku. C'est qui est là-bas, je m'en rappelle plus. Dragon Ball. Remarque, c'est joli ici aussi. On pourrait presque croire qu'il y a quelque chose à faire ici. Hop. Ah bah... Alors ça c'était pas prévu, je pensais qu'il allait y avoir vachement profond et tout ça, mais non. Alors... Tenchi... Oh bah... Ah bah oui. Bah oui, je veux que ce soit lui mon maître, qu'on rigole. Ok, bon bah laisse béton. Laisse béton, laisse béton. Piccolo. Frappe. Frappe. Bonjour. Qu'est-ce que tu veux? J'ai des choses à faire, laisse-moi tranquille, veux-tu? Mince, j'ai pas lu ça, capsule d'énergie P. Ah bon? Oui, si tu veux, tiens. Ah bah écoute, si t'as rien à m'échanger, tant pis pour toi. D'accord. Remarque, c'est joli dans le coin. Par contre, du coup, maintenant que j'ai vu qu'il y avait un mec qui était posé à un endroit random... Je me dis qu'il va y en avoir un paquet. Hé hé. Hé hé hé. Hé hé hé. Non? Personne? Oh là 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 là. Faudra qu'on fouille toute la ville. Pour tous les trucs secrets. Qu'est-ce qu'on a débloqué aussi en quête secondaire peut-être? Chose sympa. Qu'est-ce que tu veux toi déjà? D'accord. Attaque spéciale entraîne. What? Explosion de la vie, super canon garing, destruction finale. Frappe, flash. D'accord, bizarre. Bizarre, bizarre. Ok, qu'est-ce que t'as à me proposer? Des nouvelles quêtes. Ah, des nouvelles quéquettes aussi. Changer l'avenir. Dôme de chaleur, elle est géniale celle-là. Changer l'avenir, ouais, d'accord. Ok, ouais. Elles sont vraiment géniales. La
perruque de Sangoku. Mais non, pourquoi? Pourquoi me proposer ça? Le pire, c'est que je vais être obligé de les faire, chers amis, parce que regardez, elles ont chacune, vous voyez, c'est la 20, il y a la 22, là, il y a la 23, il y a la 25, donc il m'en manque une. Tout ça, il va falloir que je les fasse au moins une fois, parce que 25 et 26 aussi, là aussi, il manque la 26. Il va falloir que je les fasse au moins une fois pour être sûr d'avoir absolument toutes les quêtes et savoir avoir tous les objets. Donc même si elles m'intéressent pas, il va falloir que je les fasse. Ok, bah écoutez, chers amis, je pense qu'on va se retrouver dans 2 jours pour une nouvelle journée où on fera des missions de la quête principale. Encore une fois, merci d'avoir regardé cette vidéo. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures. Salut les gens et yo!